Quand tu descends la côte King, tu vois comme un autre gros pignon après un clocher d'église qui est là. Okay. Très beau. Okay. Sur la rue de Rufferin, les vieux bâtiments avec les pignons en fer forgé. Moi, pour moi, ça doit être le fer forgé avec une gang d'endoctrinés dans le capinazisme. OK. C'est comme le Québec ici. Okay. La moitié oui, la moitié non. La moitié de gang de cons. La moitié plein d'artistes, de gens intelligents. Ouais. On n'est pas mis à cause de ça. OK. Est-ce qu'il y a... On va pas plus se détacher du Canada. Pensez à ça qui va tomber le Canada, parce que le Canada, c'est bon. OK. Ouais, je comprends. Mon pays, moi, c'est ici. OK. Parce que les gens, ils ne mangent pas comme moi, ils ne pensent pas comme moi. Ouais, c'est vrai, S'il veut être des Américains qui s'en vendent aux États-Unis, moi, je veux pas être Américain, parce que moi, je suis Canadien, Américain, Québécois, tout ça mélangeant ensemble, c'est Québécois, c'est Sherbrooke. OK, Sherbrooke en particulier. Qu'est-ce qui est, en particulier, Sherbrooke? C'est la moitié de la ville ici, c'est des automobilistes. Des homo, au lieu d'être des homo sapiens, des automobilistes. Ils dorment dans le char, ils mangent dans le char, ils font la moule dans le char, ils font la gauche dans le char. Téléphone en char, quand ils veulent leur char, ils vivent dans leur char, ils veulent leur char. Ouais. Puis je vais te dire, moi j'en connais, là. Je les spot. Le gars est avec sa blonde, il s'en va dans sa fenêtre, puis il regarde son char. C'est sûr qu'il y a un vrai gars qui vit voir son char. J'ai déjà dit à un gars, j'ai dit, tu fais ton char dans l'homme. C'est ça un peu la moitié de Sherbrooke, OK? Okay. L'autre moitié aime mieux sa blonde que son char. OK. C'est un bon exemple. OK, donne-moi. Puis on dirait que je suis d'accord avec toi. Donc, la moitié de la population ici, elle est très conservatrice. L'autre moitié, c'est des artistes, c'est des gens très élevés, très avancés. Puis on a de la misère à faire de quoi ici? C'est les crises de conservateurs qui mettent du crise dans une leçon. Ils vont peut-être crever du cancer, qu'on fasse une ville magnifique. OK, OK. En panne, c'est bon, des montagnes, il y a des bateaux, il y a de la vie. Puis il y avait beaucoup moins d'auto dans ce temps-là, il y avait des chevaux ici. Eh hey, ouais, c'était vraiment particulier. Oh, des années 60. Ici, c'est comme ça. C'est comme ça, je m'en t'attire. Quand on mange des funérailles chaque c'est une ville dont la population autochtone ici sont très conservateurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est une belle entrée de char et une maison pour chacun. Manger dans un restaurant pour gagner le cancer. Les autres, ils veulent vivre d'autres choses. Ils veulent vivre de quoi de créatif.